Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma vidéo. Ouais, ça filme bien. J'ai pas de doute. Bon, bref. Alors, j'étais au champ. On était dans le coin. Et du coup, j'en ai profité. Mon chéri et moi, on a partagé la note, évidemment. On a eu pour 142 de course, on a trouvé pas mal de déstockage. Et sur ma carte, il y a combien de comptes? Waouh, mais ça c'est la carte fidélité. 10,66€, comme ça on sait jamais si j'appère. Bah si j'appère, si j'en doute, on sait jamais. Pourtant que j'avais le bâton. Alors c'est parti mon kick. Je vais aller à l'essentiel. J'ai pris du certainement à la fraise. Des petits bouchons sport, siphon 33 centilitres. Vous verrez les prix après. J'ai pris à la pomme pêche poire le même. 6 x 33 centilitres. Certainement les os en petit format. Bouchon sport. Ça c'est trop trop bien. J'ai pris un puzzle les schtroumpfs, évidemment. Donc là c'est un petit format et je vais pouvoir le mettre encadré. Bon, c'est très bien. J'hésite à le prendre et mon chéri dit bah si t'inquiète pas on va la cadrer et puis tu vas faire tout. Donc je suis contente de l'avoir trouvé. Voilà voilà. En tant que fan des chevaux, je suis waouh, c'est vraiment rare qu'on la trouve. Donc j'étais opérationnelle. J'ai pris en déstockage du quatre quarts pur beurre. Alors, prix de base 3,90€ à moins 30% et revenu à 2,73€. Barre petit cercle à 4 quarts de combien? Tête courte 23,9€ 2023. C'est pas grave, c'est vraiment un peu un sac 100 grammes. Voilà, une bonne petite part. Oh, bien, bien. Pardon, j'ai un peu du mal à filmer parce que là, j'espère que ça a bien filmé. Je m'excuse d'avance. Alors, mon chéri, vous prendre ça, les hachés à poêle, fleur et michon ou poulet, nouvelle recette. Deux hachés, 120 grammes. Ça ne va pas être trop dégueu. Si vous voyez les ingrédients, ça vous donnerait peut-être envie. Et 3 minutes à la poêle par fesse. Voilà. Les hachés à la poêle. Alors, pour la Dofus, le dimanche, en belle famille, du coup, bah, on s'est organisé pour le repas, on fera des frites cordon bleu et haricots verts. Voilà. Donc ça c'est des haricots des cordons bleus, pardon, 800 grammes au champ. Et donc vous en avez 8. Voilà. Et il y aura les frites de la baraque et les légumes, on a pris des haricots verts. Et ça délice poulet, délice de poulet de dinde. Il y avait à moins 30%. À ne pas s'écouter 3,50€ et c'est passé à 2€. 2,45€. Il y a combien de tranches dedans? Je sais pas. Souvent, en général, il y a 4 tranches ou 8 tranches. Ou 6 tranches, je sais plus exactement. Voilà, simplement comme ça. Très bien pour faire des sandwichs. J'ai pris des œufs bio au champ x4. Plein air. J'espère qu'ils ne sont pas cassés la gueule. Je ne pense pas, sinon ça va couler. Non, ça va. Impeccable. Ça, j'aime du côté. Et je ferai des pâtes avec du fromage. Et des légumes. J'ai pris des croque fromage blé en vie de veggie. 10 à 12 minutes au four. 200 grammes. x2. Ça, c'est trop bon. C'est super bon. Allez. Voilà, mis comme ça. Voilà, voilà. Trop, trop bon. Ensuite, mon chéri a pris du Simon tartine de poulet sauce curry à 270 grammes. Voilà, tout simplement. Comme ça, comme ça, comme ça. Les ingrédients, si vous voulez les voir. Faites une petite pause, si vous dites. Je sais pas si ça pourrait intéresser des gens. J'ai pris un cappuccino Milton Maxwell House. Voilà. 22 tasses.
très cher. Je ne sais plus exactement le prix. Je vous dirai après les prix. 335 grammes. Voilà. Sachez au Fernand. J'ai pris les fameux haricots beurre entiers. Enfin, voilà, en rayon de discount. Ouais. J'en ferai à faire. J'ai oublié du râpé. Quoi, j'en ai encore deux paquets, donc ça. Parce que moi, râpé, je le prends au rayon de discount. C'est pas grave, j'en ai encore. Un vinaigre balsamique de Modène au champ. Ça, c'est trop bon. Et ma... la colocataire de mon chéri, elle m'a fait découvrir une vinaigrette avec ça. C'est super bon. Alors, voilà. Voici pour ça. Alors, les prix. Alors, les prix, je vous le dirai après parce que si je mélange avec tout, on va s'en sortir. Hop, deuxième sachet. Alors, j'ai pris une fougasse au narwal. Trop bonne ça. Au champ à 4,43€. Là, vous savez. Et c'est vraiment une tuerie ces trucs-là. Enfin, je vais faire plusieurs fois. D'accord. Et ça, je mangerai de la salade. On a pris. Enfin, ça, c'est pour mes bons copains, évidemment. Tout. Je découvre ça pour. Tranche de raclette vin blanc au lait cru. Voilà, on l'a pris comme ça. C'était pas trop trop cher. C'était abordable. Bien que. Et voilà. Voilà. 150 grammes. Pause si vous le souhaitez. J'ai pris des madeleines au camembert salé en déstockage. Armor Delice. Elles sont trop trop bonnes. Bon, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, alors, un paquet fait 246 grammes. Elle coûte 2,93€ à la base. Voilà. Les madeleines coûtent 2,93€. Moins 30%, 2,30€. Sachez individuel. Elle est trop bonne. Oh non, c'est une tuerie. Alors, je vais vous tester ça. Les Big Choco au chocolat au lait. Des coches croûtes, biscuits fondant de la de chocolat au lait. Voilà. Je vais peut-être le savoir, j'ai ça, j'en vais me plaire, je pense, du chocolat au lait. Il faut aussi au chocolat noir, si je ne me trompe pas, c'est un paquet rouge. Et j'ai tiens, c'est bizarre, je ne savais pas qu'il faisait ça. Donc, voilà. Donc, depuis ça, offert, point net, 750 grammes. Un sachet offert, 250 grammes, le sachet. Et ça m'a l'air d'être trop bon. Donc, je ferai un topo à l'occasion. J'ai besoin des ingrédients. Oh, c'est récupéré. Wow. Je sais pas si c'est une très belle expression. Bref, je me dépêche. Au rayon déstockage alimentaire, il y avait des veloutés comme ça sur les deux fraises. Ça va être trop trop bon. Voilà. Les ingrédients, hein, vous regardez sur internet, hein, je sais pas, me merde des choses. C'est vraiment de pas, mais c'est très très long. Donc j'essaie de faire l'essentiel. Date limite au champ cambré, 1,99€, moins 30%, c'était 1,39€. C'est une date courte, ça va jusqu'à 1,10€. Il me semble que les autres, ils sont proches de 3 mois après la date. Ah, qu'est-ce qu'il y a pris ? Saucisson de jambon, les ch'tis, tranche. Ça, c'est pour mon chéri. C'est pas. Ah. 75 grammes, d'accord. Je découvre un. Au champ cambré, alors ça coûtait 2,01€ et c'est passé à moins 20% à 1,101€ de manière gourmet roulade. Voilà. Donc il y a un petit peu de tout au niveau des bananes. Moi je mange pas certaines bananes pour raisons personnelles. Je n'ai pas envie de manger certaines bananes, je suis végétarienne. Et mon chéri mange de tout. Sauf. Un marrol le bout, comme ça, un petit marrol. Il fait combien de grammes? 200 grammes. Voilà. Fabriqué en tirage. Revenu Kenoa. Dans 59. Voilà. C'est très bien. Ça fait son job. Petit marrois tranquille. Alors, mon chéri a pris un verre de la série qui a sur Netflix. Donc, c'est un verre de 400 ml. C'est marque By Under or the Peaky Blinders. Il me dit que ça pourrait m'intéresser.
Il faut que je m'y mette, il m'a conseillé de le faire. Il faut que je regarde 3 épisodes et puis je verrai bien. Mais j'ai pas été emballée au premier épisode. Enfin, il faut que je me concentre. Faut que j'ai plein de trucs à garder. Alors, une tarte au fromage au champ, 400 grammes, deux personnes. Voilà, simplement. Ça, je pense que je vais la faire au four ou alors on la fera en micro-ondes, je vais pas m'emmerder. Des raviolis au fromage au champ. 300 grammes. Du taboulé. Ah, ça, c'est bon ça. Pierre Martinet. Tout simplement comme ça. Il y a combien de grammes? Ah! Il y a 500 grammes. 3,05 € moins 30%. Il est passé à 2,14 €. Ça, je ne savais pas que c'était une merde. Et pourtant, pourtant, il m'a fait montrer un déstockage et c'est parti. Alors, j'ai pris du pain tartine filet 14 tranches. Plaqué. Bon, franchement. Pain de combien? Pain de combien? Oh, c'est marqué là. Quels sont les grammes? Bon. Un pain. Plaqué. Ça fait une manine. Après, j'ai pris au rayon discount. Il y avait plein de trucs à pas cher. J'ai pris ça d'offre crème lavande sur les mains. Pour les mains, protection et hydratation. Un quart de crème. Le classique, parce que j'ai un peu les mains sèches. Bon, avec la poussière, tout ça. On a été au carrelage et l'autre pot, il était plein de poussière. Donc, je me suis lavé les mains. Après, au champ, tout ça, je me suis lavé les mains. J'ai testé, il a super bien, c'est incroyable. 200 ml. Alors, menu casse au fromage, au champ, que j'aime beaucoup les prendre. 180 grammes fois 10 nuggets. Et c'est 8 minutes à la poêle. Voilà, c'est très bien. Ça fait son job. Impeccable. Après, j'ai pris des paniers gourmands épinards et fromage baby. Ils sont super beaux, je les prends comme d'habitude. 180 grammes fois 2, 8 à 10 minutes à la poêle. Donc, ça, c'est bien. Mais on peut les faire au four, c'est mieux au four. Évidemment. J'ai pris du sirop de fraise dessert. Le classique, le basique. Voilà. Et ça, c'est combien? 60 centilitres. C'est rien. Après, j'ai pris au rayon premier prix. Tout ça, j'ai vu qu'il y avait on discute. Il y avait un arrimage de bougie, du coup, j'ai pris une bougie à la citronnelle et ça sent super bon. Ça sent le citron, un peu chimique, mais ça va. Une petite bougie classique, basique au citron. J'espère que ça va sortir bon. Citronnelle, voilà. 17h de bougie. So, Lifetime Garden. Bon. On verra bien. Je ne sais pas. Après, il y avait un arrivage au niveau des. Au niveau des déstockages alimentaires, il y avait camembert au goût caramel sans huile de palme à tartiner. Ah, oh, c'est caramel et cacao? Je sais pas. Je testerai. Je me suis aperçu. Donc ça coûtait 3,91 € et ça revenait à moins 30%, c'était 2,74 €. Et ça m'a l'air d'être intéressant. Combien de grammes de terre? Combien de grammes? Et c'est pas noté. Il n'y a pas de grammes. Bah écoutez, je ne sais pas. C'est un petit pot. Hein. C'est pas un très très gros pot. Que font deux dinosaures pour se mettre d'accord? Réponse. Un tirageur. C'est bien fait. Voilà, un petit peu comme ça. Oh, je crois que c'est du caramel, tout ça, mais non, c'est avec du cacao. Ça pourrait être pas dégueulasse. Des chips, je les ai trouvés. Il y a Katari, il y a Kitori. Moi, je sais plus, il m'a mangé ce midi. Trop trop bon. Et ça, j'ai du mal à les retrouver. Donc, comme j'ai compris en vrai ce que c'était, il n'y a pas énormément de temps ça, je dis ça, faut que je teste. J'ai du mal à trouver. Bon. Donc, ça, c'est un paquet de combien? 120 grammes. Les petites pochettes de saveur yakitori. Donc, ça, c'était du poulet, tout simplement. Et là, c'est super bon. C'est une petite pochette comme ça. Donc, on va manger, ça va être tout naturel. Mon chéri, il a pris un saucisson aux noisettes, tous les chèches,
Comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Au niveau du gramme, 250 grammes. C'est quoi le marque? Ouf. Bon, tout simplement. Après, qu'est-ce qu'on a pris? Ah ouais. Mon chéri, il s'est pris deux boxers. C'était 8 euros au lieu de 25 euros. Des Umbro. Pas quelle taille? L. Bon. Après, tout uni. Noir et gris. Et elle a pris noir et gris. Ouais. Et rouge. Voilà. Donc ça vaut plutôt le coup. Comme ça, vous en avez combien? 3. Voilà. Un gros. Alors, ça, c'est très bien. C'est les donuts curly, cacahuètes caramélisées, sucre à salé, c'est trop bon. C'est du fric. En fait, au début, je n'aimais pas quand c'est sorti. Bon, au final, j'ai goûté, j'ai retenté une chance, et depuis tout depuis peu précisément. J'adore, je valide. Ça, c'est pas très très bon, c'est peut-être 90 grammes. Bon, c'est pas loin, 100 grammes. On a pour ça. Après, on a pris. Une plaque de chocolat. Et ben, cette dame-là, elle n'a pas regardé correctement. C'est moins 30%. Voilà, maxi, plan, biscuit et noisette entière. Oh, je n'avais pas vu que c'était avec des blancs biscuits. C'est une tuerie. C'est une plaque de combien? 190 grammes aux céréales soufflées. Chocolat blanc, noisette entière et aux céréales soufflées. Ah, c'est pas des biscuits alors? Maximum le biscuit et une nature entière, une générale salouette avec une aigle croustillante de biscuits associée à des noisettes entières craquantes. Le tout dans le délicieux carré de chocolat blanc. On testera, hein. Écoutez, je testerai, je vous dirai si c'est bon. Je pense vraiment un petit topo sur Daryl. Donc ajoutez-moi sur YouTube, Instagram et Snapchat. Donc n'hésitez pas dans le respect et la bonne humeur, évidemment. Après, j'ai dans ma réserve au frigo du kebab, donc je vais faire du kebab que j'ai au rayon des scouts à Auchan. Je sais plus où. Peut-être faudrait, si c'est d'être possible, je sais plus. En tout cas, c'était Auchan. On va manger ça, du kebab avec des 8 tortillas molosses. Je sais pas avec cette tête. Voilà, tout simplement, des trucs comme ça. Normalement, c'est pas un kebab, mais j'ai eu la flemme de retourner dans le rayon. Je sais pas ce qu'il y avait. Et c'est le moins cher du rayon. Et ça, j'ai trouvé ça, c'était trop trop beau. Regardez-moi là, ça. Oh, j'ai craqué. C'est un. La marque Essence. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas pris du Essence. Hydratation Booster. Essence Algue Lip Oil. Si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, je vois rien, moi, je te rate. T'as un peu de lumière. Alors. Huile à lèvres bienfaisante à base d'extrait d'algues, d'acide hyaluronique, d'huile de jojoba et de vitamine E pour une hydratation intense et infinie, brillante et non collante. Voilà, tout simplement. Et super beau. Il y a deux couleurs, on dirait.